Bénédiction de tout chacun. Moins un, vous tous. Les Baoulés commencent à devenir dangereux en Côte d'Ivoire. Je dis je suis venu pour détruire le monde. Espèce de bâtard. Vous les Ivoiriens là, vous ne vous aimez même pas. Moi je suis venu sur terre. Si tu ne m'as pas accepté, je m'en vais. Mais le jour que toi aussi tu vas mourir, quand tu vas arriver là-bas, c'est pas chez moi que tu es parti. Tu vas trouver où tu vas dormir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Espèce de bâtard. C'est quel nouveau pasteur ça encore? Tout récemment, il y a un autre Dieu qui s'est annoncé. Je dis, il y a quoi qui s'est annoncé? Un autre Dieu qui s'est annoncé. Un Dieu? Un Dieu qui a baoulé d'Etini. Ah bon? Regardez tout droit devant vous. Ce grand monsieur vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine, mon Dieu? Donc c'est Jésus qui est assis là-bas là. Tout est gâté. Je crois que c'est Eskeli qui a raison. Raison à comment? Nous tous on doit déménager, laisser la Côte d'Ivoire se reposer. Ah ça je pense que c'est vrai. Parce que pour Jésus là seulement, moi-même je suis dépassé. La Côte d'Ivoire Yako. Jusqu'à il y a un Dieu qui a baoulé. Mais il est venu pour faire quoi même? Il dit je suis venu pour détruire le monde. Détruire le monde? Détruire le monde c'est détruire l'humanité. Peut-être aussi que l'on est venu pour détruire les arbres. Les arbres là, je m'en fous de. Parti. Dans ce cas, t'es venu détruire quoi? C'est vous les humains là, je suis venu me venger mal. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait une vengeance devant, donc je ne me presse pas. Je suis mort. Alors là, qui me doit même? C'est ça, on appelle œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas venu pour rire. Un païen qui a porté sous terre blanche et qui se promène au milieu des gens. Il dit qu'il est Dieu et les gens le croient. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il est puissant même? Je peux vous rendre multimilliardaire. Jésus. Ne riez pas comme ça. Je vais pas faire. Tu dis quoi? J'ai dit je peux vous rendre. Vous riez pourquoi? C'est pas moi. Ce sont ces trois là. Un. Deux. Trois. Vous trois là. Vous équivaut. Vous. C'est gâté hein. Vous équivalez à. Zéro. Jésus aussi, on dirait qu'il se trompe, hein? C'est un danger potentiel. Abat le grand Kokangba. Mais c'est qui Kokangba? Kokangba, le Jésus baoulé. Un Jésus baoulé. C'est un voyou. Hey! C'est le plus fort, le plus raté de tous les baoulés. Abat le Jésus baoulé. Vous les Ivoiriens là, vous ne vous aimez même pas. Pourquoi on ne s'aime pas? On vous dit que Dieu est venu, Dieu est là, vous êtes en train d'insulter. Ne croyez pas à moi, hein. Quand je dis mon Dieu, je suis en Côte d'Ivoire, insultez-moi seulement. C'est piment, j'ai mis dans vos yeux là, ici. Mais c'est parce que t'es un faux Jésus. Bénédiction de tout chacun, moins un, vous tous. Hey! Ferme-moi. Vous allez voir. Moi, je t'ai pas insulté, hein. C'est Alexandre, Emile, avec Anne qui t'ont insulté. Hein? Alexandre, ta bénédiction la moins 1. Émile, toi ta bénédiction moins 1. Anne, ta bénédiction moins 1. Toi aussi, Christophe, vous tous, votre bénédiction là. D'abord, s'il y a enlevé votre bénédiction. Cécile, toi ta bénédiction moins 1. Les Baoulés commencent à devenir dangereux en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que ce peuple devient un peuple dangereux en Côte d'Ivoire. Les Baoulés nous ont trop imposé des choses en Côte d'Ivoire. Ils vous ont imposé quoi? Ils nous ont imposé café. Ils disent il y a café baoulé. Café baoulé, ça c'est quel café encore? C'est le sucre mélangé avec de l'eau. Et on mange ça avec le pain. Maintenant ils nous imposent maintenant le Jésus baoulé. Mais vous allez accepter ça non? On ne peut pas accepter ça. Trop c'est trop. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? On doit l'enfermer pour qu'il montre qu'il est Dieu réellement. Ah bon? C'est-à-dire qu'il doit goûter la maca. Parti. Maintenant, il doit faire des miracles à la maca là-bas pour sortir de là. Est-ce que c'est lui ce qui s'est dit Jésus en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire seulement, il y a beaucoup de Jésus. Fonca!
Jésus femme. Jésus. Jésus garçon. Vos linges sales, lavez-les. Rangez vos bagages, soyez prêts. Car nous allons découler bientôt. Milou, Milou. Allons, allons, l'avion va décoller. Faut partager la vidéo. Ok.